Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle série audio, ça s'appelle Papa raconte-moi une histoire. C'est un jeu qu'on fait de temps en temps en voiture avec Ellie et Lou, les fameux acteurs des aventures d'Ellie et Lou, que je vous conseille de regarder. Qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, tu veux parler, alors vas-y, parle. Tu veux dire quoi aux gens? Merci beaucoup de regarder ma série audio. Ça me fait beaucoup plaisir. Ah, ça c'est très bien. Ok, donc en fait le concept de celle-là, de série audio, c'est que je vais raconter une histoire et Ellie et Lou, si elle a envie, vont rajouter des histoires et vont un peu improviser l'histoire avec moi. Donc aujourd'hui on va vous raconter une histoire. Ça va être une histoire de... De basket ou de ninja? Alors, de basket et de ninja ou de basket ou qu'un seul des deux? Les deux ou un seul des deux? Les deux. Les deux, ok. Donc de basket, une histoire de basket et de ninja. D'accord. T'es prêt? Oui. Allez. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon Qui est beaucoup courageux. qui est beaucoup courageux et qui est, en fait, il connaissait pas du tout le basket. Il était très courageux. Attends, tu vas voir, je vais t'expliquer. Je connais les baskets. Mais tu vas voir, laisse-moi finir. Donc en fait, ce petit garçon, il est là, il se promène dans la rue et il y a un autre garçon qui se fait taper un peu dessus par un des grands. Paf, 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 paf. Et là, il est pas content. Donc le petit garçon, il dit... Laissez-le tranquille. Il lui dit, laissez-le tranquille. Là, les méchants, ils font, c'est quoi cette histoire? Tu crois quoi? Tu crois qu'on va te laisser tranquille? Nous, on va le laisser tranquille. Ah, on est plus, on est costaud. On n'a pas peur, hein? Allez, viens! Et là, le petit garçon, qu'est-ce qu'il leur fait? Attention, là ça va faire mal. Voilà, en deux coups de poing, les méchants, ils font ça et ils sauvent l'autre garçon. Et l'autre garçon, il fait, merci, merci, mais t'es trop fort! Et le petit héros, il dit, c'est normal, c'est parce que je suis un... Un héros ninja. Et donc l'autre il fait quoi, un héros ninja? Mais c'est trop fort. Mais je suis sûr que tu devrais venir faire du basket avec nous. Alors là le héros ninja il dit du basket? Mais je sais pas faire moi ça. Bon ben allez je viens quand même. Donc là il va à l'entraînement, au premier entraînement de basket Et il devient de son copain. Et trop fort. Les nuls, ils deviennent trop forts, comme papa dit. Voilà, il est nul et après il devient trop fort. Parce que Comme papa il dit. comme papa il dit, je suppose que c'est moi qui dois dire ça. Donc en fait, il s'entraîne fort, fort, fort. Et comme il est ninja, bah, il sait faire plein de choses. Il sait sauter très haut. Il sait faire quoi? Il sait sauter très haut. Il sait faire. Quoi? Il peut coller au mur parce qu'il a des pieds tout collants. Voilà, il s'est quasiment collé au mur et tout. Il est vraiment trop fort. Donc. Quand il joue au basket, il a juste à apprendre à dribbler. Et ça, il sait un peu faire aussi, hein, parce que il est trop fort. Oui. Et le ballon, il se transforme en robot. Ah, Ballon. et le ballon se transforme en robot. Et c'est un robot gentil ou un robot méchant? Gentil. Gentil. Ah, ben alors, donc c'est un ballon robot qui se transforme en gentil et qui parle au ninja et qui va lui dire, Bonjour, il me fallait un joueur de talent comme toi pour que je puisse me réveiller. Et là, les autres enfants, ils hallucinent. Ils font, mais le ballon, il s'est transformé en robot. Et là, le petit ninja, il fait, ah ouais, d'accord, mais c'est un peu bizarre, mais pourquoi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et là, le robot ballon de basket, il dit, oui, tu dois sauver les autres robots ballons de tous les sports. Et là, il fait, quoi? Oui, on a été condamnés à devenir des ballons, mais en fait, on est des robots, on veut vivre libre. Donc, le petit garçon, il dit, ok, d'accord. Le petit garçon, il arrive au rugby maintenant pour essayer de sauver le robot ballon de rugby. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il lance le ballon et il se transforme en robot tout marron. Donc le ballon de rugby... Oh, merci. Tu m'as sauvé. Tu es l'élu. Merci beaucoup. Et là, les joueurs de rugby font... Ah, mais avec quoi on va jouer? C'est pas possible maintenant, on n'a plus de ballon. Donc le robot de rugby fait attendez. Il construit direct un ballon de rugby et ils peuvent jouer au rugby. Et après il va faire quel sport? Quel sport où il y a un ballon? Le foot. Le foot. Donc il va au foot. au foot
là il arrive comme ça et le héros ninja il fait, il court très vite et paf, il fait un super tacle et il récupère la balle et il se transforme en robot et tous les robots ils remercient. Donc tous les robots ils remercient le petit garçon, c'est ça Ellie? Oui. Ok, donc à ce moment là le héros ninja il se retrouve avec 10 robots qui sont là tranquilles et qui remercient, mais ils savent plus quoi faire. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces robots? Le petit garçon il a dit à les robots, vous pouvez venir chez moi si vous voulez. Ah, donc le petit garçon il dit aux robots de venir chez eux, chez lui et ses parents. Et ils vont faire quoi ces petits garçons, ces petits robots? Les parents ils ont dit oui pour que tous ces robots ils deviennent aussi leur fils. Du coup ils se retrouvent avec des frères et sœurs robots. Et tous ensemble ils deviennent une grande famille. Une très très grande. Ok, bon, c'est une belle histoire ça. Au revoir, un autre épisode va venir. Si vous aimez, donnez des pouces.